Aujourd'hui, je suis avec Olivia. J'ai mon téléphone, la vie est belle, la vie est un fromage. Parfait. Tant qu'elle goûte pas. J'ai déjà Je veux pas le savoir. Bon, ok. J'essaie de faire un changement sur la chaîne. T'sais, à un moment donné, je suis tout le temps avec les Sugar Mommy, tout le temps avec les Mills, les Cougars, gardiennes. Mais j'ai jamais invité une tranche chez moi. Ça, je suis content, genre. Je suis content en tabac. Ouais, moi, ça me fait peur. Ça te fait peur, genre? J'aurais cru, par écrit. Surtout que tu m'as demandé une collab au début. Ah, tu sais, ça, c'est vrai. Au début, je suis là-bas, pis je suis comme. J'ai dit, hey, on fait-tu une collab ensemble? Moi, dans ma tête, ça sonne normal. Chris, ça va comprendre, le style. Elle fait des réels, elle fait plein d'affaires sur Instagram. Elle va comprendre que c'est pour YouTube, tu sais. Fait que là, elle m'écrit, je comprends pas exactement ce que tu veux faire. Parce que si c'est faux, je te mette dans le cul. Je suis vraiment pas dans, pis moi je suis juste en mode wow! Pas ça que je voulais t'offrir là! Parce que oui, pour le monde qui sont vraiment sans dessin, elle a encore sa graine. Genre pour le monde qui aurait pas compris, on va pas passer baguette de chemin là, quoi. C'est quoi ça? Ben c'est quand t'en crosses dans en même temps. OK! Ah ben salut mon petit velours de Gaspésie, comment tu vas toi? Comme tu vois, c'est flou dans l'image un peu là. Je me suis acheté une nouvelle caméra puis au lieu de la setuper comme du monde, ben ça fait en sorte que pas mal le reste de la vidéo est un petit peu flou, mais... Je suis vraiment désolé, les prochaines vidéos ça sera pas flou, OK? Ça sera pas flou les prochaines vidéos, OK? Ça t'arrive souvent. Ben c'est un passe-temps. Faites une bonne activité genre à faire les fins de semaine, la semaine, tu sais comme... Tu sais quoi jouer à la taupe? J'ai déjà connu du monde qui ont joué au jeu de la taupe. C'est une histoire d'hockey. Ben c'est une histoire de... Ben c'est malaisant quand tu joues avec ton oncle en famille, dis pas. Non, 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 le jeu de la toast. Ouais, moi mon oncle qui est chaud, je suis correct. Ah! Fait que c'est ça, finalement j'ai expliqué, je suis comme non, j'ai envie de faire une collab, juste que comme je t'invite chez nous, puis on parle de tout et de rien, puis on jase de tout ça, tu sais. Ouais. Puis là elle dit, ah ok, ça me convient plus que le mettre dans le cul, ça. C'est quoi les questions que t'es tanné d'entendre ou elle n'a jamais posé à une trans? Ben, honnêtement, je vais pas te mentir, toutes les questions sont bonnes, faut juste bien savoir les poser. Ok, comme là, mettons, moi je te le dis, c'est fait de faire des seins. Ouais. Je l'ai bien posé. Ben, j'ai eu une augmentation de ma mère. Ah ouais? Ben, c'est une augmentation c'est ma ça, mère. C'est ça, c'est juste ça, là, dans le ben, fond. C'est tout. Ben, moi, je peux cacher. Pas ça parce que de base, exemple, je te donne un principe. Vu que je prends des hormones, j'ai quand même une glande mammaire qui s'est comme développée. C'est ça, c'est ça. Puis moi, j'ai fait du lait en début de transition. Ah ouais? Ouais, du cholestérol. T'aurais tellement dû en mettre plein dans ta vie. Ah non, c'était wackless. Ben, c'est parce que j'étais couchée sur la galerie sur le ventre. Puis, tu faisais du lait? Ben, ouais, parce que je massais mon sein, j'avais mal. Fait que je massais, puis un moment donné, ça s'est mis à couler dans ma main. Quand tu piques avec trop d'hormones, autant ouais. Moi, vu que j'avais full estrogène dans mon sang, puis tout, bloqué de testostérone, puis tout, ça m'a fait faire des glandes de ma mère, puis c'est du lait, là. T'es tellement bonne, genre, d'avoir des laits que ça. Moi, j'avais mis mon lait dans plein de plats. Non, 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 j'en faisais pas autant, mais c'est wack, là. Y'a-tu des fois, mettons, une question qui te tape ses nerfs, genre, vraiment, genre, je sais pas, y'a-tu des gars qui arrivent vers toi, des fois, puis disent un enfant, puis hey, taille, là, je l'entends tout le temps. Le même speech que je t'en ai d'écouter long, je pourrais te le montrer, je l'ai en dizaines de milliers, c'est les gars qui commencent avec les j'aime ta personnalité, si tu cherches un acteur, viens me voir. Moi, c'est mon pire. Que quelqu'un qui t'écrit juste pour ça? Ouais. Ok, ok. Non, moi, c'est ça, ça m'écœure. Parce qu'en tant que tel, je pensais vraiment en m'en venant, pis tout, pis j'étais comme, y'a-tu vraiment quelque chose qui m'écœure, pis justement, open. Justement, genre. Open dans la vie. Open de wild. Ben, juste pour accepter cette vidéo-là. Non, mais c'est ça, en plus, avec une question que les gens me demandent, qui m'écœure, c'est si ma famille m'accepte ou non. Ah, tabarnak, y'a vraiment du monde qui ose te demander ça? Y en a des fois qui arrivent, pis ils sont comme, ah, moi, ce serait mon enfant, je pourrais pas t'accepter, je te battrais. Après ça, je me dis, finalement. Tu sais, je veux dire, je suis quand même chanceuse, je connais plein de trans que leur père les a renié, leur mère leur palpue, tu sais, leur famille est carrément. C'est juste vraiment triste, tu sais. Puis moi, au contraire, là, mon père, je l'appelle à tous les jours, ma mère à tous les jours. J'espère ça. J'ai une soeur, deux frères, j'ai deux neveux, puis tu sais, toute la famille, tu sais, mes neveux, en plus, je suis contente de faire ça quand ils étaient jeunes. C'est quoi la chose la plus, disons, t'as entendu justement, genre. T'as-tu des one night? Faut que je te compte la chose la plus gênante, ok? C'est drôle! J'ai pas nécessairement un gros, tu sais, c'est ça. Tu sais, pas vraiment. Je suis quand même morphologiquement correct. Une grosse graine, disons. Non, mais ok, mais c'est ça. Ben, moi non plus, tu sais. Tu sais, non, mais morphologiquement, je fit. Genre, mes seins, mes fesses, ma graine, ça match. Ça ah match. Ouais, c'est quand même pas pire. C'est bien proportionné. L'affaire qui arrive, c'est qu'une fois, je suis tombée sur un gars, puis moi, je les aime grands. Parce que je me disais, oh mon dieu, ils sont grands, ils ont des grosses graines. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas genre, vrai. Genre, moi. Le gars, il avait un micro-pénis. Okay. J'ai même pas osé baisser mes culottes parce que j'étais mal à l'aise. J'avais peur qu'elle se cache. J'ai ramené le gars chinois à faire un Netflix and chill, puis là, on était rendu dans le moment et tout, il m'embrasse, puis là, je m'en vais d'abord. Je commence à chercher pis tout. Quand tu commences à chercher, ça va pas bien là. Genre là, depuis tantôt, je me demande mais quoi, c'est quoi ma grandeur de graine, si j'ai pas un micro-pénis. T'es sûr? J'aime ça quand c'est lisse, quand c'est stiff, tabarnak. C'est long, pis quand c'est... On dirait qu'elle fait une commande du Subway, tabarnak. Moi j'aime ça quand c'est un 6 pouces pain italien. 8. 8? 8? Ben il y a beaucoup de monde. Je fais de l'anal moi là, je fais pas de vaginal, fait que j'ai comme pas de fond. Faut que tu comprennes ça, fait que moi mon fun il se fait quand que ça... Vu de même, c'est-tu? Tant qu'à prendre 6, je vais en prendre 8.
2 pouces de plus, 2 pouces de moins. Hein. C'est quoi le plus court que de bonnier? Pour faire de l'anal? Ouais, de quelqu'un là. J'ai jamais vraiment calculé, mais je sais que sucer c'est 2 minutes 32. T'as du talent. Je le sais, je pourrais m'auto-sucer, je ferais de l'argent en esti. J'ai tellement essayé longtemps quand j'étais jeune. Ben pour vrai Thierry, mais dernièrement c'est cette semaine, je pense, j'étais dans mon divan, pis là j'étais assis d'une drôle de façon. Pis t'as essayé? Y'aurait-tu moyen de se rendre, tu sais? C'est ça. Moi je l'ai fait souvent. Moi, quand j'étais jeune là. Je l'ai fait souvent. Ah ouais, tu te rendais? Ben je me rendais pas, mais j'espérais. Parce que l'autre jour j'ai pris un Viagra, j'avais jamais pris ça. Tabarnak, j'en ai! Bio ici, ça vous intéresse, j'ai essayé la fameuse pilule sur ma plateforme. Parce qu'à cette heure, j'ai commencé des vlogs un petit peu plus crunchy sur ma plateforme en bas de vlog. C'est bien drôle. En tout cas. Attends, j'avais jamais pris ça de ma vie. Oh, c'est de rien ça là. Ah ouais, je peux brûler. T'as peur que ça éclate. Non, non, mais il était yoke pis tout. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris plein de pics d'avance pour ma plateforme. C'est ça que j'ai fait. Je suis pas je l'ai jamais vu à son avantage de même. T'as-tu déjà vu les gens qui ont des kinks, c'est fruit? Ouais, tu check dans tous les jours. J'ai jamais vu ça. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui fourrait une pastèque. Ça existe? Ouais, il a fait un trou dans la pastèque, puis il a fait la pastèque. Ah, oh, ouais. Ça doit être genre froid, mais squisheux, mais mouillé. Mais genre. Non, mais l'affaire, c'est du porn de vegan. Non. Quoi? Il y a les vegans sont comme, ah, oh, ça rentre une carotte. Mais ouais, ça t'est arrivé, mettons, des gars hétéros, genre, des DM, mais genre, weird, en tabarnak. Je pense que le plus bizarre que j'ai eu, c'était un gars qui avait une blonde depuis 3 ans, pis il me demandait, dans le fond, c'était sa blonde qui se faisait passer pour lui, pis elle voulait que je couche avec son chum, parce que son chum fantasmait ses trans, mais il était pas prêt à l'assumer. Pis elle m'a dit, dans le fond, ouais, ça fait longtemps que je sais que mon chum, il regarde des affaires de trans, j'aimerais savoir si tu pourrais le rencontrer, pis faire des affaires avec pour que son trip y passe, parce que je veux des enfants, pis je veux faire ma vie avec. Okay. Là, t'es comme pas sûr de rester avec, parce que je sais pas si c'était juste un trip qu'il avait ou c'était vraiment comme. Ah, mais ça doit arriver, c'est aussi des ben trucs oui. De passage. Ouais, ouais, j'imagine. Tabarnak, c'est vrai que ça doit arriver. Mais il y en a qui font la chasse aux trans. Ça, on, ouais, ça sont. Mais pas la chasse, genre inutile. Non, non, non. Genre, ils veulent l'enfourer le plus possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais comme, tabarnak. Mais moi, j'ai pas parce que je suis pas conne. Tu sais, je veux dire, j'ai pas okay, connais, okay. Quand je vois qu'il y a une, deux trans que j'ai en commun, je suis comme, ah, t'es un band pack, mon esti, reste dans ton coin. Parle de mal, ça n'a jamais arrivé. De chier sur quelqu'un? Pogner un gars, mais pas en toi, là, ou l'inverse. Là, moi, je le mets dans le cul pis il me chie dessus. Ouais. Non, non. Jamais arrivé. Ben non, ben non. Mais non. Moi, je mets pas les gens dans le cul. Non? Non. Ben y'en a qui sont leur préférence, j'imagine, ben, ton oui, liste. Oui, 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 mais moi, j'aime pas les culs, là. Moi, j'aime mieux me faire péter, là. Ok, ouais. Ben c'est correct, qu'est-ce que on... voilà. C'est ça qu'on voulait savoir, elle aime se faire péter le cul. Elle se fait péter le cul, esti. Non, non, c'est vrai, je me fais péter le cul pour le vrai, mais je fais des lavements avant, fait qu'il y a pas tu de. Tu fais des lavements. J'ai déjà vu un pied dans un cul, là, pour me voir une story time. Tu sais-tu qu'on peut rentrer, je pense, deux ou trois ratons laveurs dans son cul à cause de la circonférence, que ça peut s'expandre. Je le sais, je fais toujours ça quand je vais sur le Mont-Royal. Moi, j'ai une amie qui a perdu un ongle dans le cul de son chum. Non, non, mais genre, elle est en train de se doigter le cul pendant qu'elle suçait. J'ai essayé ça? Non. C'est spécial. Oui, non, oui, non. Te faire tata prostate en même temps, te faire cesser quelque chose, mon ami. Fait qu'elle est en train de se doigter le cul, puis maintenant, elle sort son ongle, puis tu sais, des estis de gros longs ongles, puis elle perd son ongle dans son cul. Non, moi, c'est mais c'est sûr que ça allait arriver. C'est pas si fait. Non, non, mais. J'ai partagé une story parce que les gars m'ont demandé c'est quoi mon type de gars. Moi, j'écris tout sauf cowboy. Y a-tu des cowboys à Saint-Jérôme? Non, non, non. Mais tu sais, les gars qui mettent le chapeau, les bottes, là, la chemise carottée, puis qui ont un style cowboy. Fait que dans le fond, moi, y a plein des. Ben, des styles, c'est ça. C'est... Les gang-gang. Gang-gang? Les gars qui disent ça ou? Tu sais, les gars qui mettent des pantalons triflexels, ils ont des pantalons baissés jusqu'aux genoux. Y'a pas ça à Montréal? Oui, c'est ah, peut-être à Saint-Jérôme, là, mais genre pas à Montréal. À Montréal, y'a plein de gang-gang. Puis là, ils parlent, voilà, get maman, ma G, ma saucisse, ma sassi. Pète la guiche. Pète la guiche. J'ai un cœur en silicone. Ça, c'est hot. Ça, faut tester ça. J'ai payé full cher. Puis genre, en tout cas, pis là, tu prends ça, là, c'est full. En tout cas, c'est bizarre, c'est petit. C'est trop petit. Faut que je le change. Je l'aime pas finalement. Moi, j'ai essayé un genre de faux pocket. Ben, c'est pas pareil, t'entends? Non, non, non! Ben, Chris, oui, tabarnak. Pis c'est bizarre, tu sais, t'es dans ton lit, pis moi, je suis moi. Je t'aime, genre. Non, tu sais, quand t'as queue à défendre, genre, tu vois ton petit paquet, genre. Oh, ouais. J'assis de mon lit, je suis comme, je vois le pocket poussi, pis je suis comme, faut pas prendre en main, tabarnak. Même trop jeune pour essayer ça. C'est ça que je me suis dit. C'est juste ça que je me suis dit. Non, mais tu ris, mais pour vrai, la première fois, moi, j'ai essayé ça, j'avais 19 ans, pis c'était avec un de mes chums. Ah, c'est Saint-Jérôme. C'est fucking, mais ouais. Ensuite, il y a les vieux. J'aime pas les vieux. T'as pas les daddy? Non, si t'es pas genre super riche. Elle, ce qu'elle veut, c'est quand elle pèse là-dessus, on entend genre. Nari! Okay, non, moi j'aime ça quand ça vient en poudre. Ton sperme, il sèche? Ben j'imagine, fait que ça. Tabarnak, c'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles et qu'il y a de la poussière dedans. Plein de vieux qui arrêtent pas de se crosser. Des vieux, esti. La moisissure, esti. Ta poussière. Aïe, aïe. Imagine que le gars, il vient et il y a de la poussière, il est comme. Ça me prend encore un chamois. Raconte ton histoire, ce que fait que là, cette semaine,
semaines, il y a ici un monsieur de 56 ans qui m'a dit « Vieux, c'est à partir de quel âge? » 56 ans? Ouais. Vieux, c'est à partir de quel âge? Ouais. Ben, il a connu Top Model, c'est assez vieux. C'est ça, je me suis dit. T'as 21. Ouais. Il sait, ce vieux-là de 56 ans. Ben, moi, c'est parce que mon père, il a 42. Ah. Fait que moi, quand ils ont 50, je les regarde et je leur dis « Yo, c'est parce que tu pourrais être mon père. » Puis là, ils sont comme « Ouais, pis je pourrais coucher avec ma fille. » Je suis comme « Hier, c'est dégueulasse. » Fait que si j'ai un monsieur, ok, ici, au moins 60 ans. 60 ans. Désolée de cette intrusion dans vos DM sur ton Insta, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de te dire wow, merci d'être celle que tu es. Tu sais qu'ils se crossent sur mon contenu, là. C'est clair. C'est clair, là. Mais le plus drôle, c'est quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais faire du contenu pour adultes sur ma plateforme. Oh! Dans le fond, mon père, qui est extrêmement conservateur, pas full pour les trans pis tout, lui, depuis le début, il me dit fais ça. Ah! Ouais. Daddy! Il est genre, vas-y, là, Chris, tu peux faire de l'argent pis tout. Fait que depuis le début, mon père, il est comme, fais ce que tu veux, si ça te rend heureuse pis tout. Ben, c'est ça l'important. Ben, c'est ça. Tu sais, ma mère, en vrai, elle s'en collait, ça. Ma mère me l'a dit, j'aurais 20 ans de moi, j'en ferais aussi. Parce que l'autre jour, il était sur son téléphone pis là, il regardait Hélène, justement. Ton père regardait Hélène? Hélène, il y a regardé Hélène qui est en live. Ah, ok. Ouais, ouais, fait que là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je donne des cadeaux. Je t'envoie des cadeaux à Hélène. Il me dit, ben ouais, je l'aime bien. Ouais. Il était même sur iPad, là. Moi, excusez-moi, là. Quand t'as dit, je lui donne des cadeaux. Est-ce que vous savez par où je m'en vais, la gang? Vous savez où je m'en vais, là? Donnez des cadeaux. Est-ce que t'as déjà vu le film Alien? Ben oui. Tu sais, la bébite, là, qui. Ouais. Ça ressemble à un vagin pour moi. Ok, mais t'as juste. Fait que c'est pour ça que je suis comme traumatisée. J'en ai vu des vagins, mais genre, on dirait la bibite, tu sais, genre, quand c'est ouvert, là, pis ça tire. Ouais. Quand je vois une fille. Mais t'as peut-être pas pogné le bon vagin aussi. Ben écoute, comme je te disais tantôt, c'est comme de la soupe tiède, moi, quand je suis rentrée là-dedans. Fait que c'était full gênant. Se faire péter le cul, ça doit être la même chose. Non, c'est différent. Parce que t'as un muscle aussi, mais t'as un muscle aussi dans le vagin, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça doit être un peu pareil, sauf que moi, y'a pas de fond. Hey! Yo! Pas de stress, man. Mettre des chibous ce soir-là. Ok, il y en a un qui m'a écrit comme ça, t'as un petit pénis. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Ça, c'est bon, ok, ça l'est bon. Salut, tu dois avoir fucking plein de DM de toutes sortes de gens. Mais c'est quand même. Aurais-tu envie d'aller bouffer à quelque part ou je sais pas trop? J'aimerais bien avoir la chance de se rencontrer si ça te dit. Texte-moi si. Mais c'est gentil. C'est cute. Mais le gars, il a genre 50 ans. Oh, tabac. C'est ça que je te dis, c'est ça qui est cringe. Ok, daddy, le calme-toi. Fait que voilà, gang, c'était la petite vidéo ici. J'espère que vous avez aimé ça. Nos réseaux sociaux sont en bio, comme j'ai dit tantôt. Allez voir ce qu'elle fait sur la plateforme. Allez voir ce que je fais sur ma plateforme. On s'en va faire un petit content d'Elidi. Ou ma plateforme aussi, jamais du bon venir. On va le mettre dans le cul. Non, c'est juste. On va la mettre dans le cul. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va expérimenter avec elle sur ma plateforme. Ça sent une balle, c'est ce que je dis là. T'as vu dans la gueule, dans le fond. Bon, on va faire des trucs sur ma plateforme. Le monde sont curieux, viendrait voir. C'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Faut que je monte mes boules? Non, pas vraiment. Ok. Pas ici, pas ici. En tout. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je sais, je suis bonne. Ben, genre, je suis bonne, je me lève. Yeah! Vas-y. Hey! Get the fuck up out my face! Money tucked inside the safe!